Salut les ontons, ici c'est Christophe. Alors je vais vous montrer aujourd'hui un truc nouveau. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Un truc nouveau sur le site. Un petit peu une dédicace pour Monsieur Prince, puis aussi je crois que c'est le rêve de Jimo. Alors voilà, je vais vous montrer. Alors, pas facile, il faut que je change de position. Voilà, alors j'espère que vous allez bien voir l'écran. Voilà à peu près. Alors il s'agit de poster plus facilement des photos lorsqu'on est en train d'éditer un message. En quelque sorte, mettre des pièces attachées à nos messages. Alors déjà, pour éditer un nouveau message, ben, désormais on a un bouton au milieu de l'écran. Voilà, alors je vais commencer mon message normal. Je choisis une catégorie, maintenant on en a pas mal. On va dire délire. Voilà, on met un titre. Voilà, alors je commence à écrire ma bafouille, comme d'habitude, chose sans grand intérêt, parfois. Et puis l'idée me vient de mettre une photo. Ah, il se trouve que juste à côté, j'ai des fenêtres ouvertes, j'ai des documents, d'ailleurs pas que des photos, je peux mettre des documents. Alors par exemple, tiens, j'ai une belle photo d'arbre. Eh bien, je prends ma photo, je la tire et je la laisse tomber juste sur la fenêtre. Ah, il se passe des choses. Ici, on voit que la photo a été chargée sur le site. Et puis, ben, en fait, elle a été complètement chargée sur le site dans un répertoire que je vais vous montrer tout à l'heure. Et la balise qui correspond dans un message est ajoutée automatiquement. Le miracle de l'informatique. Et puis, alors, tout en bas, là, on a une nouvelle boîte qui s'appelle pièce jointe et qui rappelle la pièce qui vient d'être attachée, alors son nom de fichier. Et ici, on a un lien, donc je clique de ce pas. Alors, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. On ne perd pas la précédente. Ici, c'est un nouvel onglet. La précédente est toujours là. Et puis, donc, voilà notre photo qui vient juste d'être uploadée dans un répertoire. Alors, quel répertoire, me direz-vous? Il y en a déjà plein. Alors, en fait, on est ici dans un répertoire. Il y a un nouveau répertoire qui s'appelle pièce jointe. Et puis, en dessous, il y a un répertoire par tonton. Et donc, vous n'avez pas besoin de le créer, il va se créer tout seul dès que vous allez mettre la première photo. Et après, ben, notre répertoire, il est complètement habituel. On peut venir ici modifier. Alors, il y a un petit commentaire par défaut qui s'appelle pièce jointe, mais on peut venir le modifier. Et on peut même déplacer la photo dans un autre répertoire après coup. Ça peut se faire après coup, après le poste du message, il n'y a pas de problème. Alors, je reviens sur mon message. Alors ici, j'ai mis une image. Je peux continuer à mettre du texte derrière, etc. Je peux, tiens, tout d'un coup aussi, pourquoi pas, rajouter la recette de la tarte tatin. Voilà, donc ça se passe tout simplement, exactement comme les photos. Puis ici, si je clique, je vais le retrouver. Dans mon répertoire, dans mon répertoire. Alors ici le viewer, en fait ici je suis pas sur le site, je suis sur ma maquette à la maison, et donc le viewer PDF pointe sur le site, donc il ne voit pas encore mes photos, c'est pour ça qu'il est erreur, mais ça marchera sur le site. Voilà, puis donc ma tarte tatin est ici. Voilà, donc c'est tout simple. Dernière chose. Encore plus fort, je reviens sur mon message. Alors je reviens sur mon message qui doit être ici. Voilà. Bon, alors je peux décider de le voir, tiens. Hop. Donc, miracle, mes photos sont là. Puis tiens, j'ai envie de le reprendre. Alors, ce que l'on peut faire, alors j'aurai du mal avec une seule main. On peut aussi mettre plusieurs photos d'un coup. Alors si j'arrive à le faire, à sélectionner plusieurs photos, ah, je vais pas y arriver. Il me faudrait appuyer sur le bouton contrôle en même temps que clic. Voilà. Voilà, j'ai réussi. Donc là, si je fais drag and drop de deux photos en même temps, hop, eh bien, mes deux photos viennent d'être ajoutées ici.
Et normalement, alors je ne sais pas où j'étais, hein, mon curseur était revenu au début, donc mes deux balises se sont insérées comme ça. Donc on peut prendre plusieurs fichiers d'un coup et les insérer d'une seule manip. Voilà. Et puis alors donc à la fin, ben, j'envoie mon message. Voilà, mon message a été posté, je vais le regarder. Et voilà, nos choses sont là et avec toutes nos photos, les deux dernières que j'ai mises, etc. Voilà, la dernière évolution. Et avec ça, si Monsieur Prince n'arrive pas à nous mettre des photos, là, on peut plus rien pour lui. Allez, amusez-vous bien avec ça. Salut.